La neige qui tombe en février met en belle humeur l'usurier. Au moins, Stéphane, il y en a un de bonne humeur. Ben oui, mais je ne sais pas vraiment pourquoi, tu vois. Est-ce que c'est parce que la neige de février fait qu'il y aura mauvaise récolte et que pour le coup, l'usurier va récupérer toute la maison? Ouais. Ou est-ce que la neige de février fait qu'il y aura une belle récolte de blé, que pour le coup, il sera remboursé? Ouais. C'est mieux la deuxième version, non? Bah moi, j'étais plus la deuxième version, mais t'es censé toi... Non, c'est la deuxième version. Donnez-nous votre avis et écrivez-nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans votre jardin 4 saisons. Nous allons tenter d'illuminer votre hiver avec un nuage de fleurs et des prunes par milliers. C'est cadeau, c'est le sommaire. Responsable de l'herbier du Muséum d'Histoire Naturelle, botaniste passionné, Marc Janson nous parle de ses influences et de la pertinence de sa profession. Bouchot, c'est le nom des pieux de bois sur lesquels sont élevés les moules du même nom. De la forêt à l'océan, nous ferons le parcours de ces troncs. Près de Chinon, les jardins du château du Rivaux proposent une promenade lumineuse, mêlant histoire, art contemporain et féerie sous des pluies de fleurs. Et tout de suite, retrouvons Stéphane, quelque part dans la Hague. Ce n'est pas l'Irlande, mais les champs et les landes dégringolent dans la mer. Il reprend son chemin, impressionné par ses haies de pierre tout le long. Il arrive chez Patrick, qui n'a qu'une idée en tête, la couleur. Patrick! Bonjour Stéphane! Bonjour Patrick, ça va? Ça va très bien, et toi, en pleine forme? Ouais, c'est bien. Où il est le jardin? Le jardin, il est là. Bon, ben, je fais le tour. Hop là! Ah! Voilà. Donc, raconte-moi. Alors, comme tu peux le voir, ouais, y a de la verdure. C'est très bien déjà. Ben oui, je trouve, moi. Oui, ouais. Mais moi, ce qui me manque et ce que je souhaiterais, c'est avoir de la couleur. Plus de couleur. D'accord. Et il y a combien de temps que tu es là? 10 ans que je suis là et que j'essaye en vain, tant que faire se peut, de faire des plantations. Ouais. Donc je vois que tu as planté des hortensias, il y a des rosiers. Il y a déjà pas mal de choses quand même. Là, il y a un mûrier qui est splendide. Il est magnifique, le mûrier. Il est très, très grand, oui. Mais il est un peu grand, oui. Ce qui est dommage, c'est que tu vois, derrière, il y a un heptacodium qui est en fleur, lui. Et pour le coup, on ne le voit pas. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Un peu dommage. C'est vrai. Et puis, mais il y a de la vigne. Oui, beaucoup de vigne, parce que je ne l'ai pas taillée. Mais il y a beaucoup cette de raisins dedans. Et beaucoup de raisins pour les oiseaux. D'accord, c'est gentil. Ils adorent ça. Et de quoi est-ce que tu as envie? Alors, parce que là, je vois, il y a une plate-bande, il y a des plantations tout le long, comme ça. Ben, c'est-à-dire que j'ai deux terrasses, une en bas, une en haut. Là-haut, je vois les îles, anglo-normandes, je vois la mer. Mais quand je suis sur la terrasse, ici, ou quand je suis sur la terrasse là-haut, c'est pareil. Quand je regarde ici, je vois que de la verdure. Donc, j'ai besoin de couleurs, comme je te le disais à l'instant, des fleurs. Bon, ben, en fait, je pense qu'il faut jouer la plate-bande qui est là et puis cette espèce d'accompagnement de la haie pour densifier cela avec de la couleur et des fleurs. Voilà, tout à fait. T'as tout compris. De la couleur, de la couleur. Vite, un dessin avec des fleurs. Donc, on va commencer par reprendre l'existant et tailler la haie qui est ici parce qu'elle se couche complètement sur la ligne sur laquelle nous allons planter. D'accord. Et elle fait de l'ombre. Elle fait de l'ombre. Ah oui. Bien. Bon, sur le côté, on va installer toute une ribambelle de plantes avec des feuillages très colorés, comme des choisias, par exemple, aux feuillages dorés. Des photinias, feuillages roses, épanachés, et le fusain ailé qui devient complètement rouge à l'automne. À quel moment il devient rouge? Tout de suite, là, maintenant. Maintenant? Ouais, les feuilles deviennent rouges, c'est extraordinaire. Puis des choses plus simples, comme par exemple des fusains du Japon avec des feuillages panachés, un peu vert-gris. Et puis des choses un peu plus étonnantes aussi, avec des floraisons. Des calicanthus, par exemple. C'est une plante que j'aime beaucoup. Voilà, ça va se densifier et ça va se colorer, et ça, c'est bien. Donc là, on va revenir sur la plate-bande qui est juste face à nous. L'exocorda, le camélia, tout va bien. Il faut l'accompagner de manière un peu plus forte. Avec un lilas des Indes qui fleurira d'une manière avec un rose comme ça, très fort, très beau. Et puis pour adoucir le jeu, peut-être un hydrangea paniculata, beaucoup plus doux dans sa floraison. Voilà, au pied de tout ça, on va installer des arbrisseaux
des caryopteris avec des fleurs bleues. Et puis, pourquoi pas des lavandes. Et ensuite, on va installer plein de plantes vivaces à fleurs, avec des couleurs complètement différentes les unes des autres. Faut que ça... Parfait. Faut que ça... Très bien. Faut que ça, ça bouillonne, que ça vibre. Oui, c'est ça, voilà. Ça bouillonne. Bon, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah écoute, déjà, rien qu'à voir, je vois plein de couleurs, déjà, ça me va bien, ça, déjà. Parfait. Bah, oui. Il y aura un sérieux élagage du mûrier, une remise en forme de l'éléanus et des lierres avant l'entrée d'arbustes à fleurs ou au feuillage ou en couleurs. Parfois même les deux. Beaucoup de diversité, des lanternes et le mot de la fin. Il y a ce que je souhaitais, c'est-à-dire des couleurs. Créatif de l'émission et nous sommes avec Frédéric Michel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Carole. Tu es comédienne, mais tu crées aussi ces nuages fleuris, on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais c'est marrant, en fait, tu as une double activité qui est très dans l'air du temps, mais toi, tu aimes préciser que ce n'est pas un désamour pour la scène. Disons que j'ai commencé par être comédienne et puis effectivement, à un moment donné, j'ai voulu ajouter un deuxième métier. Parce que parfois, on est un petit peu en attente hein, quand oui. on est comédien. On est à côté du téléphone. Donc voilà. Donc, j'ai... La première fois, je suis allée à Chaumont-sur-Loire. J'ai fait une formation là-bas, d'accord. au Festival des Jardins. Je connais bien. Et puis ensuite, j'ai fait une formation un petit peu plus longue puisque j'ai fait la formation de l'UNSP, de l'École de Versailles, en formation continue pendant 2 ans. Mm-hmm. Donc, je suis devenue paysagiste et comédienne. Toujours. Toujours. Et là, depuis quelques temps, je me suis intéressée plus effectivement aux créations végétales. D'accord. Et tu as décidé de faire ces nuages. Comment t'es venue cette idée de forme, de suspension? C'est une recherche que j'ai commencée autour de l'herbier. Donc, j'ai une collection d'herbes séchées, voilà. J'ai créé avec Sylvie Meunier, une plasticienne, une série. C'est un croisement de deux collections, en fait. Une collection, elle, de photos et moi, de végétaux. C'est un cabinet de curiosité. C'est presque des petits monstres, en fait. Donc, c'est vraiment... Le végétal vient se poser et transformer l'image pour créer autre chose. Donc, ça peut faire référence à Ovid. Ça peut aussi faire référence à des choses plus cinématographiques. Et puis... Ensuite, j'ai eu envie de travailler sur ces grandes structures qui sont en fait, que j'ai appelées des nuages, et qui représentent vraiment le biotope d'un endroit, d'un territoire. Donc ça peut être une vallée, et chaque biotope a son nuage. En fait, je pourrais faire le tien, Stéphane, je viendrai dans ton jardin, je récolterai plein de végétaux de ton jardin, et je ferai une sorte de petite photographie de ton jardin qui sont, voilà, qui a une belle idée. Un herbier en trois dimensions, en fait. Absolument. Un herbier, voilà. Donc j'ai trois phases, la récolte, le séchage, et puis la composition, l'assemblage. Alors, quel biotope on va faire ensemble aujourd'hui? Alors, on va travailler sur une récolte que j'ai faite en Ardèche à l'automne. Donc, on a des échinacées que j'adore, des rudbeckias, tout ça dans les tons pourpres, beaucoup d'Achillée millefolium, une plante aux mille vertus. Et puis après, c'est des chardons, de l'amour en cage que j'ai récolté dans les jardins qui se ressèment tout seul. Il y a même un zinnia. Un zinnia. Ça, c'est un rudbeckia. Voilà. Ça, c'est bien. Dans le panier, on a ce qu'il faut. Et oui. Pour la structure, tu nous conseilles d'avoir des branches de saule. On se débrouille avec ce qu'on a, c'est ça que j'aime bien. Mais ici, on va dire qu'on va partir avec du saule. Évidemment, ça peut être des branches de châtaignier ou des branches de tilleul. La clématite sauvage, c'est aussi vachement bien pour tresser. Et voilà. Et bien maintenant, pour s'envoler avec toi, il faut que tu nous expliques comment on commence, quelle est la structure de base. Ok. La structure, c'est toujours une partie un petit peu... complexe. Le mieux, c'est d'être deux. Ok, ça tombe bien, nous sommes trois. Voilà, on commence comme ça, comme un poisson, tu vois. Ok. Et pendant ce temps-là, voilà, on tient et on ficelle. Ça fait le démarrage. Pouf. Mais voilà, Stéphane, c'est très bien. Pouf. Et après, merci. On a la base et là, on pourra rajouter du branchage. La structure est en place, on va travailler en suspension, j'imagine, c'est plus simple? C'est beaucoup plus simple, il vaut mieux tourner autour de la structure. Il y a plein de mini-bouquets qui vont venir
s'accrocher dans la structure au fur et à mesure de la composition. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des essais, se dire non, finalement, ça, c'est moins bien, ça, à côté de ça, c'est moins bien. C'est un peu empirique hein, et un peu intuitif, la composition, quand même. Il n'y a pas de règle pour toi? Non, il n'y a pas de règle. De ce qui est le plus beau? Non. Non, c'est plus sympa. Allez. Allez, vas-y. Tu veux le mettre là, lui? Bah, j'inaugure. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Un nuage qui va pouvoir rester dans notre vie. Parce qu'il se conserve très bien. Ah bah oui. J'en ai un d'ailleurs que j'ai fait il y a 7 ans et il va très bien. Pas besoin d'entretien évidemment. Et puis bizarrement, il ne prend pas la poussière. Génial. Tout est dans l'art de sécher les fleurs en fait. Probablement. Il faut bien les sécher à l'envers quand même. En tout cas, c'est très beau. Mais merci Stéphane, merci Carole. Et maintenant, c'est le portrait de la semaine. Nous allons découvrir Marc Janson, il est botaniste au Muséum d'Histoire Naturelle. Et il voit le merveilleux dans chaque arbre, chaque fleur. Avec lui, c'est un peu l'inventaire du vivant de chaque instant. C'est un mot qui reste mystérieux quand même aujourd'hui. Beaucoup de gens se disent, mais c'est quoi un botaniste ? Ça n'est ni un jardinier, ni un paysagiste. C'est quelqu'un qui dédie sa vie à la compréhension, à la description et à la dénomination du végétal. C'est une discipline qui, disons, avec le temps, s'est beaucoup diversifiée. Mais j'aime ce titre de botaniste parce qu'il a une portée plus générale. Et j'aime le végétal dans son ensemble. J'ai grandi à la campagne, je pense que ça a été une chance. Comme énormément de gens sur cette planète, j'ai commencé par aimer passionnément les animaux. Par contre, même en étant fasciné par l'animal, il y a évidemment du commun entre le monde animal et le monde végétal. Et donc, ça m'a permis de percevoir, sans forcément le comprendre, des relations très particulières entre les insectes et les fleurs, des espèces végétales et des espèces animales. Enfin, disons des notions d'écologie qui, à l'époque où j'ai grandi, à l'endroit où j'ai grandi, étaient encore facilement observables et les écosystèmes étaient encore assez diversifiés. Patrick Blob, c'est une découverte à la télévision, cette magnifique émission qui s'appelait Ushuaïa. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais quand même encore relativement jeune. Et quand on dit qu'est-ce que c'est qu'un botaniste, ben voilà. Pour moi, Patrick Blob, c'est un botaniste. C'est un botaniste dans le sens où il a une vision du végétal très très large et qui en plus assume complètement une partie esthétique du végétal puisqu'il a évidemment inventé les murs végétaux. Et puis il y a cette passion, il y a cette espèce de folie du végétal, et ça c'est quand on le voit à cracher comme ça des noms latins par centaines chaque 10 mètres, on sent cette espèce de passion dévorante, et ça a été une vraie révélation. Moi j'ai commencé par une prépa veto que j'ai très rapidement abandonnée, ensuite j'ai fait des études de bio puisqu'il n'y avait pas vraiment d'études végétales spécialisées dès le premier cycle universitaire, et donc après j'ai fait de l'agronomie. J'ai appris beaucoup de choses. Et après, je suis parti aux États-Unis pour faire une thèse de doctorat où là, j'ai vraiment pu rentrer dans ce qu'est la botanique taxonomique. En tout cas, donc, l'observation, la description, la dénomination du vivant végétal. La place du Muséum national d'histoire naturelle dans mon histoire, elle est centrale. J'avais déjà entendu parler du muséum avant, mais ce que j'avais pas compris, c'est l'ampleur des collections qui sont tout autour de nous. Là, on se parle au muséum, donc en dessous de nous, autour de nous, au-dessus de nous, tout n'est que collection. Et c'est vraiment à partir de 2004 que j'ai compris ce que c'était vraiment que le muséum. Il y avait le muséum visible et le muséum invisible, en tout cas invisible du grand public qui s'y promène, et ça a été une révélation absolue. Imaginez, vous découvrez un herbier pour la première fois et c'est le plus grand au monde. C'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce qui me fascine dans l'herbier, c'est une forme d'humilité vers ces végétaux séchés, pressé, avec juste une étiquette collée sur du papier. Il y a quelque chose de très enfantin, de très simple. Et en même temps, par sa temporalité, ça nous permet d'avoir un recul, une lecture du temps et des changements. Et Dieu sait si aujourd'hui c'est actuel et important, des changements qui se sont opérés, qui sont en train de s'opérer. Et après, quand on regarde, on se dit, mais c'est que des plantes séchées montées sur du papier, avec ce côté très fragile, très, très sensible comme ça. Et donc, c'était vraiment un monde de paradoxes et de démence. Enfin, il y avait vraiment un côté fou dans tout ça.
je reste 6 ans, 7 ans, je ne sais plus, à l'herbier. Et après, je fais cette demande de disponibilité, cette pause de 4 ans au jardin Majorelle à Marrakech. Le jardin Majorelle, c'est un jardin qui est localisé à Marrakech, donc au Maroc, qui est un jardin créé par un artiste français qui s'appelle Jacques Majorelle, qui est un lieu qui a été sauvé par Pierre Berger et Yves Saint-Laurent à partir de 1980. C'est un jardin dans lequel beaucoup d'espace est laissé au végétatif, c'est-à-dire à la couleur, à la diversité de couleurs des verts, à la diversité des feuillages, des architectures, des structures végétales. Donc c'est un jardin vraiment particulier parce que le végétal dans son essence est vraiment au cœur du projet et au cœur de l'esthétique. Et donc ça, ça me parle. Émerveillé pour instruire. Et au muséum, comme au jardin Majorelle, il y a cette formidable outil qui est l'émerveillement par la beauté, par les couleurs, par tout ce qui peut nous toucher, pour ensuite délivrer un message peut-être plus scientifique, plus construit. On ne peut pas conserver quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc c'est tout ce travail de ce que j'appelle les botanistes, les taxonomistes, tous ces gens qui décrivent le monde vivant, qui sont capables de le nommer, c'est un peu le temps zéro indispensable avant de mettre en place des politiques de conservation, bien sûr, parce que pour conserver, il faut savoir ce qu'on va conserver. C'est comme ces projets de reforestation. Ah, il faut reforester. On va replanter 2 milliards d'arbres. Ben, très bien, mais quels arbres? Quelles espèces? C'est ça qu'un peu, c'est un peu le parent pauvre, c'est un peu ce territoire qu'on a un peu perdu de vue, alors que je pense qu'il est absolument indispensable à toute question autour du vivant qu'on peut se poser ou qu'on pourra se poser dans le futur. Les brunes ne comptent pas pour des prunes et Stéphane veut nous le prouver une fois de plus. Une fois de plus, sauf que ces prunes sont des mirabelles. Vois-tu, j'avais envie de replanter un mirabellier ici et donc je suis allé voir le pépiniériste avec lequel je travaille depuis plusieurs années. Que un garçon adores. Dont je connais le travail, qui, mieux qu'un revendeur dans une jardinerie par exemple, peut m'expliquer quel porte-greffe il utilise, dans quel type de sol je dois planter les arbres en question. Éventuellement comment je vais les tailler, enfin, le conseil est vraiment c'est du sur-mesure. Et comme j'aime bien planter des arbres à racines nues qui ne vont pas nécessiter 20 kilos de tourbe, mais simplement être facile à transporter et venir s'installer gentiment en hiver, c'est mieux d'avoir affaire à un professionnel. Donc là, nous avons un mirabellier est greffé. Ouais, j'ai vu qu'il était greffé, j'allais te couper la parole, mais c'était pour la même chose. Ah, je l'ai vu. Oui. Là. C'est ça, exactement. T'as vu comme il a bien poussé? Ouais. Et donc, il est greffé sur mirobolan. D'accord, alors explique-nous. Alors, mirobolan, c'est une variété de prunus. Prunus caesarifera. Et en fait, c'est un prunier sauvage qui pousse, par exemple, le long de la Loire. Les enfants vont, l'été, manger ces petites prunes qui sont un peu plus grosses que des prunelles, un peu plus petites, beaucoup plus petites que des quetsches, mais qui sont sucrées, qui sont très bonnes. Donc là, j'ai acheté quelques pieds de mirobolan pour les installer dans les talus. D'accord, dans les haies en fait. Dans les haies. Okay. Et peut-être les greffer hein, si un jour ça me pique. Ou simplement grignoter les petites prunes comme ça de mirobolan. Toi ou les oiseaux ou les... Et les oiseaux aussi. Et en fait, ce porte-greffe, il est très vigoureux. Il a un petit inconvénient, c'est qu'il drageonne. Donc dans les haies, c'est parfait. Pour moi, ça va très bien, ça tient bien les sols. Et après, en porte-greffe, mais il est très vigoureux, c'est très important. Il amène à fruits assez rapidement. Okay. C'est-à-dire que tu plantes ton arbre qui est greffé sur mirobolan, au lieu de porter des fruits au bout de 15 ans, il va porter des fruits au bout de 4 ans. Gain de temps. Il a juste un petit inconvénient, c'est qu'il est un peu frileux et qu'il va mal supporter la sécheresse. Donc, dans un endroit comme celui-ci, avec un climat tempéré, avec un taux d'humidité important, c'est le bonheur assuré. OK. Voilà. Donc, une fosse pas trop profonde. Une fosse pas trop profonde, quand même. Hein. Elle est très, très large, mais hop là, pouf, pouf. On est à 50 cm de profondeur. Et tu veux l'enrichir? Oui, je vais le modifier surtout. C'est-à-dire que je vais apporter de la chaux. OK. Deux, trois poignées de manière à faire remonter un petit peu le pH, même s'il supporte les sols neutres et voire légèrement acides. Et puis du compost pour apporter de l'humus et nourrir la plante. Et un peu de
corne broyée pour avoir un apport à longue durée. Stéphane, explique-nous quelle est cette petite potion magique. Ça s'appelle du pralin. Voilà, c'est une poudre que tu achètes en jardinerie, que tu mélanges à de la terre plutôt argileuse avec de l'eau et ça te fait une sorte d'onguent. C'est très cosmétique. Tu vas tremper les racines dans cette mixture et ça va empêcher les racines de se déshydrater et ça va apporter des bactéries qui sont dans le pralin. Autrefois, le pralin, c'était de la bouse de vache avec de l'argile. Donc, en fait, la poudre, ça remplace la bouse de vache. Mais ce sont des bactéries qui se collent le long des racines. Et les racines ont besoin de ces bactéries pour puiser les nutriments qui sont dans le sol. Donc, en faisant ça, tu garantis la reprise de ton arbre. On l'avait déjà vu, mais c'est bien pour les gens qui nous retrouvent seulement que maintenant. Vous pouvez voir, bien entendu, en replay toutes les émissions. Et je vais m'arrêter là pour la promo. Ok, allez, on y va. Bien. Parfait. Bah, tu vois, le trou était juste large comme il fallait. Ouais. On va peut-être même donner un petit coup de sécateur là. Et puis, comme ça, je vais pouvoir glisser le tuteur entre les racines. Ok. Toc. Tu le places là parce que le vent vient d'où? Bah, parce que les vents viennent de par là. D'accord, donc au moins ça, donc, ça se maintiendra bien. C'est un amortisseur, mais ça va bien tenir. Ok. Mais oui. Ah, tu vas voir un peu d'ici 4 ans les Mirabelles. Mon Dieu, comme c'est bon. Alors j'imagine un très bon arrosage après. Un bon arrosage, un peu de paillis au pied de la plante. On sait que mirobolant craint le sec. Ouais. Et puis une petite protection contre les lapins, j'en ai vu un hier. Il était beau. C'était peut-être Pampan. Pampan. À présent Stéphane, nous allons parler des moules de Bouchot réputés pour leur chair onctueuse, nous allons découvrir le processus d'exploitation unique de la terre à la mer. La légende des Bouchot vient de Patrick Walton, un Irlandais seul rescapé d'un naufrage en 1235 au large des côtes charentaises. Pour survivre, il avait planté deux piquets et un filet dans l'espoir d'attraper des poissons. Mais c'est une colonie de naissains de moules qui se serait accrochée au filet. Et c'est ainsi que les premiers bouchots virent le jour. Aujourd'hui, la culture sur bouchot est une spécialité française pour laquelle le choix du pieu est essentiel pour les éleveurs de moules, autrement appelés les mytiliculteurs. Martin et sa sœur Elisa sont à la tête d'une exploitation forestière spécialisée dans la fabrication de bouchots en chêne noir. Activité rare en France, car ils ne sont que 4 à fournir cette essence aux mytiliculteurs. Le chêne noir est très intéressant pour le mytiliculteur parce qu'il pousse donc sur le cos, c'est un plateau calcaire. Il pousse beaucoup plus lentement que les autres chênes. L'écorce du coup est vraiment bien dessinée et permet à la moule de s'y accrocher et le bois est beaucoup plus dense. On commence à couper les arbres à partir de septembre, quand la sève commence à descendre, jusqu'au mois de mars-avril à peu près, quand la sève commence à remonter. À ce moment-là, on arrête les coupes. Pour la simple et bonne raison que du coup, l'écorce ne tient plus sur le pieu et donc va se détacher. Et donc c'est mauvais pour les mytiliculteurs. Des parcelles de bois, la plupart du temps, elles appartiennent à des propriétaires privés. Donc on démarche, on leur propose notre coupe, qui est une coupe dite responsable, parce qu'on va juste prélever que 10 à 15% maximum d'une parcelle de bois, parce que le piquet pour les moules de bouchot est vraiment très spécifique de son diamètre et du fait qu'il soit bien droit. On débarde à la main, donc on n'abîme pas les sols. On est éco-responsable dans la gestion des forêts des propriétaires privés. Non, je suis content, ils sont bien droits, nickel et tout. Pas mal. Hein ? Avec le temps, on a réussi avec nos mytiliculteurs à créer un lien, parce qu'à force de travailler avec eux, de se déplacer, de venir les voir, d'aller avec eux en mer pour comprendre au mieux leur travail, pour pouvoir du coup nous aussi s'adapter à leurs besoins, on a quand même créé vraiment ce que je dirais des liens familiaux. La famille du Rivaux pratique la mytiliculture depuis 5 générations. Et 100 ans plus tard, Benoît et son frère François veillent à la tradition familiale avec une passion intacte. Un bouchot, c'est un alignement de pieux vertical
planté dans la mer, dans le sol de la mer, ce qu'on appelle l'estran. Et cet alignement de pieux, un peu comme une vigne marine, va découvrir au fil de la marée. À marée haute, c'est souvent, très souvent, sous l'eau. Et à marée basse, en fonction de l'intensité de la marée, les pieux vont découvrir. Ces pieux peuvent mesurer de 4 à 8 mètres et sont enfoncés dans le sol à quasiment moitié de leur taille. Les moules, dans le courant, elles aiment bien aussi qu'il y ait du mouvement. Et elles vont donc filtrer l'eau et elles vont recracher les particules qui ne l'intéressent pas. Et ce qui fait que si on a vraiment un support qui est statique, entre guillemets, il va y avoir plein de vases à l'intérieur des moules ou entre le pieu et la moule. Le fait que le pieu ballotte comme ça, comme un roseau ou comme un petit chêne, il va libérer un peu les particules qui vont être dissoutes et qui vont revenir après, évidemment. Mais ça permet un échange de matière et de nourriture au sein même de la colonie de moules qui est plantée sur ce pieu. Les moules, elles tiennent pas par magie ou comme ça. Les moules, elles tiennent sur le pieu par le fait qu'elles ont un petit filament qui est naturellement fabriqué, un peu comme le verre à soie. Et ces filaments-là vont venir se coller sur n'importe quel support, dans l'eau. Un peu comme si on avait un post-it, mais de la mer, quoi. Mais par-dessus tout, ce qu'elle aime bien quand elle est toute petite, toute bébé, qu'elle n'est pas encore bien fixée parce qu'elle n'est pas développée, elle aime bien se planquer dans l'écorce des pieux. Donc c'est vraiment une espèce animale ingénieure. Elle colonise l'espace. Quand on était enfant, on jouait aux petits mitiliculteurs avec mon frère. Sur le tapis, on n'est jamais tombé, mais on se cachait sous les... au risque, on se faisait gronder, on se planquait, mais comme tous les enfants de l'époque. Et donc tout ça, c'est vraiment ancré très profond dans nos gènes. Je ne veux pas dire qu'il faut être issu de la 5e ou 6e génération pour faire mitiliculteur, ce n'est pas ça, mais c'est ce qui permet d'en parler vraiment avec le cœur. Fiers de faire ce qu'on fait. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme la marée. Mais on est très très content d'avoir, je pense, cette chance de vivre en phase avec la nature. Stéphane, gros projet poireau aujourd'hui. Oh. Non mais c'est hyper important parce qu'on a tous envie de commencer à planter. Exactement, on a envie de commencer à semer, à planter, à regarder des choses qui poussent quoi. Tu vois, comme ces fèves que j'ai semées, élevées en atelier, repiquées là. Et oui, on a envie de s'occuper même si c'est l'hiver. Voilà, et alors à 12 degrés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le poireau lève. D'accord. Attention, attention, messieurs, dames, à 12 degrés, le poireau lève. Donc, l'idée, cette année, c'est peut-être de ne pas, de pas semer les poireaux dans une caisse comme nous le faisons la plupart du temps, ouais. Mais simplement sous châssis. Donc, ça peut être un châssis avec une vitre, tu sais, dans le jardin, ou sous châssis comme celui-ci en matière. Si vous avez la possibilité d'avoir un tunnel chez vous, n'hésitez pas. Il y a plein de gens. Des plus petits, mais il y a plein de gens qui ont un petit tunnel pour faire pousser des tomates et pour éventuellement faire les premiers semis. Mais oui, donc là, l'idée, c'est de semer nos poireaux directement en pleine terre pour les repiquer plus tard, mais d'abord les élever là. Et j'ai envie de te montrer comment on va faire, quoi. Bah, montre-moi. Donc, si tu veux bien, passe-moi le cordeau. J'en étais sûre. Toc, toc, tiens. Merci. Voilà. Donc, nous avons répandu un seau de compost sur la longueur du rang. Et tu as bêché? J'ai biné pour introduire le compost dans la terre. Aérer la terre. Et oui, parce que le poireau aime bien les sols meubles. C'est dans un sol meuble qu'il va germer et dans un sol meuble qu'il va se développer. Et en fait, le poireau déteste pousser dans une fumure trop fraîche. Ou dans un sol trop riche, fraîchement enrichi. Tu le sèmes ou tu le plantes ou tu le transplantes dans un terrain qui aura été fumé l'année précédente. D'accord. Voilà, maintenant je vais faire un petit sillon. Et ce que tu vas faire, c'est... Ah non, c'est tu vas trop vite. Tu vas remplir le sillon de café.
D'accord. Parce qu'on va semer les poireaux dans du café. C'est très, très meuble. Je l'ai un petit peu travaillé de façon à ce qu'il soit comme du sable, très léger. Et le café, tu sais, il c'est est riche. C'est une bombe. C'est une bombe, ouais. Tu ne peux pas semer que dans du café, mais pour démarrer une culture, c'est idéal. Donc, tu sèmes dans le café, il y a de l'azote, du magnésium, du potassium. Et du phosphore. Bravo, madame. Donc, j'y vais. Un sillon pas trop profond, hein, tu vois. D'accord. Quelques 3 cm, pas plus. Hein. Okay. L'idée, c'est que le poireau germe dans le café, ouais. Mais que très, très vite, il trouve la vraie terre. Voilà, j'ai bien aplani le rang, il est lisible. Hein. Et maintenant, tu peux semer. Mm-hmm. Et donc, une graine tous les 1 ou 2 cm. Une graine ? Ah ouais, elles sont petites. Dans la mesure où, lorsqu'elles seront levées, ouais. Nous n'en laisserons plus qu'une tous les 2 cm. On espace. Voilà. S'ils étaient plus près l'un ouais. De l'autre, les jeunes plants ne se développeraient pas convenablement. C'est minutieux, hein. C'est tout petit, noir sur noir, on est bien. Ben oui, mais t'es jeune, t'as de bons yeux, toi. J'espère que vous avez, vous aussi, des bons yeux pour voir nos graines arriver au sol. Voilà. Après, tu passes le dos de la main pour incorporer un peu mieux les graines dans le sol, sans trop le tasser. Et puis, on va l'arroser. Ok, j'arrive. Un petit avec arrosage, la pomme. Mais pas trop violent, hein, pour pas trop déstabiliser tout ça. Comme ça. Voilà. Et oups, mes chaussures. Mais oui, je vais les avoir. D'ici un mois et demi, je pense qu'ils auront... on pourra peut-être, un mois et demi, deux mois, pouvoir commencer à réfléchir à les transplanter. Et au moment où ils ont la taille d'un crayon, de bois, ouais. Tu vois. Et certains vont pouvoir être mangés directement. C'est bon, hein, en salade, comme ça, tout, à la vapeur. Et puis les autres vont être repiqués sur des rangs distants de 35 cm. Que tu consommeras en juin. À partir de juin, nous pourrons commencer à les récolter. C'est un géant de 40 ans. 40 ans comme la ville, hein, pas 40 pas comme, ans comme mon âge. Menteur. Merci Stéphane. À faire chez vous. Et maintenant, nous partons au château du Rivaud, où une palette de couleurs nous y attend. Des associations audacieuses, saupoudrées de magie et de références littéraires. Près de Chinon, le château du Rivaud nous fait basculer dans un temps indéfinissable. Forteresse médiévale, réenchantée à la Renaissance, adjoint des écuries royales de François Ier. Les fées y ont leur table, les princesses y retrouvent leur prince, quand le visiteur succombe au charme si particulier de ses jardins. Donc nous sommes dans la cour du château. Et c'est là que vous avez installé le potager. Bien sûr, parce que vous savez, Stéphane, ici, on a un lien avec Rabelais. Et Rabelais, c'est un humaniste. Mais bien sûr, c'était aussi un bon vivant. C'est pour ça qu'il y a un potager qui va se développer au fil de l'été. Donc, pour aussi évoquer Rabelais, j'ai pensé que ce qui était intéressant, c'était de planter des légumes qui deviennent pantagruéliques. Et tout autour, on a une collection de vieux cépages qui poussaient autrefois en Val-de-Loire. Et puis, bien sûr, on va commencer à avoir de roses, parce qu'en fait, le Rivaud, c'est surtout la collection de roses parfumées. Vous savez qu'on a 500 variétés. Mais c'est une terre de roses, ici. Oui, c'est vrai. Alors, vous savez, c'est argilo-calcaire. Et nous, elles sont très, très heureuses, vous allez voir. Mais alors, si vous voulez bien, Stéphane, je vous propose qu'on commence d'abord par ce jardin-ci, oui. Qui est sur le thème du jaune, parce que vous savez, chaque jardin, ici, a un thème de couleur. D'accord. Parce qu'en fait, j'essaye de composer un peu comme un peintre, donc de ne pas mélanger des couleurs qui ne sont pas complémentaires. Donc, est-ce que vous êtes d'accord d'aller au jardin jaune ? Allons-y, je vous suis. Donc là, on arrive au jardin que j'appelle le jardin du petit poussé, parce qu'en en fait, tous ces graminées, elles vont se développer au fil de l'été et elles vont devenir géantes. Mmh. Et puis, elles sont interplantées avec des végétaux. Alors, c'est ça, le principe des jardins du Rivaud, c'est de chercher les associations un petit peu innovantes. C'est un vrai petit laboratoire de recherche, parce qu'il y a des plantes qui, finalement, ne supportent pas la concurrence d'une autre. Donc là, c'est mon jardin sur le thème du blanc. C'est aussi l'idée, donner des idées aux gens. Ben, c'est ce que j'essaie de faire parce que c'est important, c'est que les gens s'enrichissent en venant ici, en apprenant des choses, en découvrant des végétaux, des associations, des idées, quoi.
J'aimerais que vous me racontiez la genèse de ce projet. Alors, vous savez, c'est un petit peu comme toutes les histoires. C'est une histoire d'amour. Mon mari, Eric, et moi-même, on est tombés amoureux du château. Donc, mon mari s'est occupé de la restauration du château. Et moi, je dis, oui, mais il est tellement grand, ce château. Et donc, j'ai dit, on va l'ouvrir au public. Mais pour l'ouvrir au public, c'était aussi intéressant d'avoir un jardin autour. Et donc, j'ai essayé de trouver un thème intéressant. Et donc, j'ai pensé donc à cette idée de merveilleux, du Moyen-Âge. Ça qui est aussi des sculptures qu'on peut rencontrer donc comme des surprises. Mais sauf que c'est que des œuvres contemporaines parce que je déteste le faux. Donc là, c'est mon jardin rouge. Quand vous dites merveilleux, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit ? Ben, c'est le rêve. Rappelez-vous, dans le roman merveilleux du Moyen-Âge, on racontait que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ben voilà, c'est ce que j'essaye de faire partager à nos amis visiteurs en découvrant les plaisirs du jardinage et toute cette beauté que la nature nous offre. C'est merveilleux. Puisque j'ai la chance de pouvoir vivre dans un endroit comme ici, c'est important, non, de le partager. Quand on est là, on se rend compte à quel point le végétal change tout. C'est-à-dire qu'il y a un splendide monument minéral, mais le fait d'avoir toutes ces roses, toutes ces choses, ça transforme complètement la perception qu'on en a. C'est vrai. Parce que s'il n'y avait pas toutes ces roses, ces guirlandes de roses, il n'y aurait pas ce côté enchanté, ça serait austère peut-être. Hein, parce que les donjons, les machicoulis, c'est plutôt synonyme plutôt la guerre, de quoi. Guerre. Hmm. Et c'est vrai que les roses, c'est aussi pour ça peut-être que je les aime. Je trouve qu'elles se prêtent merveilleusement bien à cette architecture. Le jardin secret, au Moyen-Âge, c'était l'endroit où seul le grand seigneur et sa suite pouvaient venir. Et qu'à cette époque-là, on disait compter fleurette, ça voulait dire jardiner. Et donc je me suis inspirée donc de ces idées-là pour planter comme au Moyen-Âge en forme d'échiquier. Donc ça nous permet aussi d'avoir une vue sur tous les autres jardins et ça donne envie de découvrir. Mais la grande jouissance, quand on imagine et qu'on met en œuvre ce qu'on a imaginé, c'est de voir si ce qu'on a rêvé, ça marche. Oui, c'est vrai, mais je suis tellement enthousiaste, en fait. Je ne peux pas penser que ça ne va pas marcher. Et puis ensuite, après, grâce aussi à l'aide de mes jardinières, hein, c'est grâce à elles que toutes les plantes poussent. Mais la beauté me fait du bien. La beauté s'ouvre à le monde, avait dit Dostoïevski. Donc, je crois. Il y a 30 ans, Eric et Patricia Legnaud succombaient au charme d'un château au bord de l'effondrement. Aujourd'hui, le bâti et les jardins offrent un ensemble unique, sur lequel le temps semble n'avoir jamais eu prise. La promenade ne ménage pas les surprises, les ravissements, la beauté se cultive ici, elle apaise notre âme. La plante de la semaine est un cyclamène, donc on se met au sol et on l'observe. Oui, à plat ventre comme ça. Cyclamène cum, c'est une plante de la famille des Primulacées. Si tu le dis. Mais oui, elle est originaire de la Bulgarie, ouais, jusque le sud du Liban, autant sur les régions côtières que dans les montagnes. C'est une plante qui a des petits noms, genre cyclamène de Kos, Kos c'est une île, ou cyclamène du Caucase. Elle a un feuillage caduque, donc elle disparaît complètement pendant l'été. Elle fleurit de janvier à mars, c'est ce qui nous réjouit aujourd'hui. C'est une plante vivace à tubercule, gros tubercule, okay, plat, ouais, et rond. Incroyable. Ah oui, oui, c'est très, très étonnant. Alors, tu peux imaginer, elle mesure 10 cm de hauteur. A priori, c'est 10 cm d'envergure, sauf que là, depuis, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'années qu'elle est là, elle a pris un certain essor. Une exposition ombre, mi-ombre, un sol ordinaire, éventuellement calcaire, et puis une rusticité à moins 15 degrés. Moi, j'adore ces fleurs avec une sorte de pigmentation comme ça, assez forte, intense, tu vois, pour, ouais, la saison. C'est fou. Et puis, cette espèce de manière de se déplier comme un origami,
ces feuilles qui sont complètement graphiques, rondes comme ça, mais très très jolies. En cœur aussi. Ah ouais, c'est très joli. Puis il y a le revers est un peu carmin comme ça, plutôt ouais. Nacré. C'est très beau. Et en fait, cette plante-là, tu l'installes, si elle se plaît, elle est là pour l'éternité, parce qu'aucune bestiole ne va venir la manger dans la mesure où elle est, attention, toxique. Donc à ne pas mettre dans tous les jardins, ou éduquer, prévenir, sensibiliser les enfants. Absolument. Son nom, à nouveau ? Cyclamen coum. Et à présent, c'est la suite de notre pas de panique. Nous retournons chez Patrick, qui a un flamant rose dans son jardin. Mais le rose ne suffit pas. Il veut plus de couleurs. Stéphane intervient. Stéphane a retrouvé Patrick dans son jardin qu'il déplore, triste depuis 10 ans. Il ne parvient pas à faire entrer les fleurs et les couleurs qu'il aime tant. Le dessin propose un sérieux élagage pour faire place à un festival de plantes joyeuses. Bon, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je vois plein de couleurs, déjà, ça me va bien, ça, déjà. Parfait. Patrick. Oui. Donc, moi, je vais commencer par tailler le mûrier. Je te laisse faire. Je vais essayer de le rentrer un peu sur lui-même. D'accord. Et toi, ce qui serait bien, c'est que tu commences à tailler l'éléagnus. Et puis là, on va s'occuper de cette haie-là. Tant pis si on doit enlever la vigne et la tailler. Mais il faut absolument réduire ce lierre qui vient vers nous et qui va finir par tout se coucher. D'accord. Puis après, on remettra la vigne dedans. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra envisager la manière de disposer les plantes. Ça marche. Voilà. OK. Le sécateur à deux mains, aussi appelé ébrancheur, est idéal pour réduire la ramure du mûrier avec des coupes faciles à cicatriser. La cisaille convient pour la reprise de l'éléagnus. Les lierres qui courent sur le mur sont délestés de branches devenues trop lourdes. OK. Voilà, Patrick, je trouve que c'est bien. On y voit plus clair. Effectivement. Et le fait de voir le mur, là, c'est sympa. Bah oui, je trouve, c'est bien. Il est très beau, ce mur. Ouais. C'est vraiment des murs exceptionnels. Hein. On appelle ça des élitiques ici, je crois. Oui. Et donc, c'est du granit. Et ces grosses pierres, comme ça, posées les unes sur les autres il y a fort longtemps, on ne le voyait même plus. Et donc, tu me dis que tu essayais parfois de... Bah, j'essayais quelquefois de le dégager. Mais au lieu de couper, comme tu me le conseilles, bah, j'ai tiré. Donc, en tirant, effectivement, bah, les pierres venaient avec. Bah oui, tu déstabilises les pierres et pour le coup... Le mur tombait. On vaut mieux couper. On vaut mieux couper, d'accord. Et là, pour le coup, le lierre plus le prunelier, coupé à franc, comme ça, tout droit, ça dégage un énorme espace, ce qui fait que c'est pas la peine d'envisager de planter de façon linéaire, ouais. Mais plutôt en quinconce, comme ça, de façon à occuper l'espace et apporter un peu plus de couleur, un peu plus de teinte. Okay. Donc on va mixer les feuillages colorés avec les floraisons. Et je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Plus t'as les roses là, qui reprennent leur place, je trouve ça pas mal. C'est vraiment intéressant. Parfait, impeccable. Des bouchons de fertilisants organiques sont incorporés dans le sol. Et voici un phormium rose pourpré, un calicanthus en fleurs, un hydrangea paniculata tout frais. Un Eonimus alatus, fusain ailé tellement rouge, un Photinia panaché pour le contraste. Voilà Patrick, tu vois cette plante, c'est une plante qui adore le soleil, qui supporte des situations sèches, fascicularia bicolore. Et je pense que ce n'était plus très très juste de le laisser ici parce que le mûrier a pris beaucoup d'envergure et a produit beaucoup d'ombre. Ils ont la qualité de produire beaucoup de feuilles, des feuilles qu'on donnait à manger au ver à soie quand on a voulu faire la culture du ver à soie en France. Et donc ils ont cette qualité qui est de pousser beaucoup, d'avoir des feuilles qui sont très grandes, très, très luisantes, avec une ombre très très fraîche, mais qui peut être un peu lourde à supporter pour des plantes comme celle-là, qui aiment le plein soleil, et pour cet Exocorda qui était à la moitié sous sa ramure. Voilà, donc je pense que le Fatsia Spiderweb profitera mieux de l'ombre du mûrier, et je pense que ce sera plus juste comme type de plantation à cet endroit-là. D'accord. Le fascicularia trouve une place au soleil, le Fatsia panaché lumineux reste plus à l'ombre. Le Lager Stroemia aime les endroits ouverts, mais pas le clérodendron Bungie, ni la Spirante, une ravissante orchidée terrestre. Au pied de tout cela, un pays de bois raméal broyé est étalé généreusement. Tout est là, ne manque que les lanternes. Patrick, c'est fini. Alors, bah écoute, c'est merveilleux. Que t'as des fleurs? Ben, y en a plein partout, de toutes les couleurs. Et puis au moins, on les voit. Le fait d'avoir élagué le mûrier, c'est superbe.
d'avoir élagué derrière aussi les Lianus, c'est merveilleux. Oui, les Lianus, oui. Ça fait rentrer la lumière, on voit tout de suite, là. Ouais. Et puis là, il y a de la... Ben, il y a ce que je souhaitais, c'est-à-dire des couleurs. J'adore. Et puis, il y a des feuillages aussi colorés. Il y a des feuillages colorés là-bas. Le rouge est splendide. Hein. C'est vraiment... Hein. Et ce rouge-là, on l'a toute l'année ou il change de couleur? Non, c'est seulement à l'automne. À l'automne? Oui, c'est seulement à l'automne. D'accord. Mais c'est merveilleux déjà. C'est déjà extraordinaire. En fait, la vue quand même depuis le salon... Ah, depuis le salon, déjà tout à l'heure, je regardais, c'est superbe. Puis même partout, hein, du salon, de la terrasse, c'est splendide. On a... En plus, là, il y a un rayon de soleil qui arrive. Alors là, c'est le... C'est le bonheur. Ça éclate, le bonheur, le bonheur. En deux coups de cuillère à peau et quelques efforts tout de même, le jardin qui attendait de prendre des couleurs depuis une dizaine d'années a fini par les trouver. Le mûrier et les haies ont laissé un peu de place pour permettre à une grande diversité de plantes de faire leur entrée. Pour le soleil ou l'ombre, toutes ont dû faire la preuve de leur capacité à apporter de la couleur, des fleurs et surtout de la joie. Si vous avez envie de couleurs dans votre vie, vous avez peut-être besoin de Stéphane Marie, tout ça rime. Ils peuvent venir chez vous, sans flamant rose, bien sûr. Je ne vais pas faire des rimes, mais si vous avez envie de couleurs ou d'autres choses, pianotéfrance.tv et inscrivez-vous. Merci. Et pour revoir l'émission ? Eh bien, pianotéfrance.tv et regardez l'émission. Merci. Merci. On va nous prendre pour des fous. Stéphane, l'hiver, on peut passer du temps au jardin et tu vas nous le prouver grâce à ton livre. C'est surtout Jean-Martin Fortier et Catherine Sylvestre qui vont nous le prouver avec ce livre « Le maraîchage en hiver », une coédition Institut jardinier maraîcher et de la Chaux et Niesley. Jean-Martin Fortier est un grand spécialiste de la culture bio-intensive et spécialiste de la culture en hiver, par grand froid. Parce qu'il habite au Canada. Eh bien, elle connaît toute l'histoire. Donc, clairement, le froid, il connaît. Voilà, et donc, c'est très technique. Ouais. C'est vraiment très enseignant. Et puis, parce que ce n'est pas seulement technique, mais c'est aussi quel type de variétés sont cultivées, à quelle température, comment se débrouiller. Enfin, c'est passionnant. Et peut-être que ça vous donnera envie de déménager au Canada. Peut-être, en tout cas d'acheter le livre. Pour ma part, Stéphane, on a des nouvelles de quelqu'un qu'on a rencontré dans Silence ça pousse et qui nous parle de Land Art, c'est un magicien. Tu vas découvrir tout ça. C'est Sylvain Trabu aux éditions La Palette qui sort son livre Le Land Art de poche. Et dès la première page, tu comprends que tu bascules dans un monde féerique avec des personnages incroyables à partir de glands, de glycines, de champignons, de plumes, de tout ce qui peut glaner dans la nature. Il va créer ces petits êtres trop mignons et il raconte toutes ces histoires et tout ce que l'on peut trouver en fonction des saisons. Moi, je les adore et je suis tellement contente, Stéphane, parce que regarde, tu l'as dit. Le petit être prend vie dans mes mains. Il m'a envoyé Waku et Pitoux. Trop mignon, tu vois la finesse du travail, mais bon, voilà, c'est magique, je suis fan. Achetez le livre et peut-être achetez aussi les petits personnages parce que vraiment, quand on commence à connaître Sylvain, on a envie de l'adopter. Stéphane, toi aussi, je t'ai adopté, mais là, il faut se quitter. Déjà ? Oui. Alors, à la semaine prochaine.